La première chose jambo la kwanza qui fait le couple solide, c'est la capacité ni ile uwezo kano de laisser Dieu diriger votre famille comme le chef de tous. Kuruhusu Mungu kwamba awe mtawala, awe mkubwa wenu nyote. La capacité ile uwezo de laisser Dieu ya kuruhusu Mungu vous diriger awaongoze comme le chef de l'homme et de la femme. Sa vile mtawala wa mume na wa mke. Vous poserez la question, mtajiulizeni, qu'est-ce que cela veut dire? Ya maanisha nini? Il arrive des foyers où inafikaka bunyumba kwenye quand une décision veut être prise, wakati ni muda wa kutoa uamuzi, personne ne songe à Dieu. Personne ne dit à l'autre. Et que dit Dieu dans tout ce que nous sommes en train de planifier? La place de Dieu n'y est pas. Chacun vit comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et lorsque les décisions viennent, l'homme fait ce qu'il veut. La femme fait ce qu'elle veut. Et demain, vous voyez que tous ont agi sans se référer à la parole de Dieu. Ce foyer ne va pas durer solidement. Pourquoi? Kwa nini? Il y a des moments où vous voulez faire quelque chose. Kuna nyakati utakusudia tenda jambo. Mais dès que la femme vous dit, eh, mke wako akwambia pompenzi. Attention, ça va être mauvais. Tufanye hange hii yaweza kuwa mbaya. Et vous dites, ah. Na vous n'acceptez pas le conseil de la femme parce qu'elle a dit, mais parce que vous détectez que c'est contre la parole de Dieu. Hautimize yenye umeshauriwa na mke wako, lakini unaifanya sababu umegundua ya kwamba alionena mke wako ni neno la Mungu pia. Vous savez, majua, l'homme peut avoir sa volonté, mume aweza kuwa na kutaka yake, mais lakini, s'il veut s'imposer dans le foyer comme un dictateur, kama nataka weka amri kama dictateur, et qui ne suit pas aussi son chef. Na asifuate mkubwa au mtawala wake. Parce que Dieu est le chef de l'homme. A sababu Mungu ni bwana wa mume. Et l'homme est le chef de la femme. Na mume ni bwana wa mke. Maintenant, si par hasard votre chef ne suit pas son chef. Sasa bahati mbaya mume wako asipofuata bwana wake ambaye ni Mungu, il va te dominer mal. Atakutawala vibaya. Vous voulez avoir un bon mari? Ukitaka kuwa na mume mwema? Rassurez-vous que votre mari aussi a la crainte de Dieu. Hakikisha kwamba mume anayetaka kuoa anamcha Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Quand il craint Dieu, anapomwogopa, il y aura des choses qu'il te fera parce qu'il a la crainte de Dieu. Kuna mambo atakayokufalia kwa maana yeye pia huogopa Mungu. Nitabisema mukiswahili. Amen. Je vais le dire en swahili. Hauwezi kupata mume mzuri kama hayakuwa mwoga wa Mungu. Tu ne peux jamais trouver un bon mari s'il n'a pas la peur de Dieu en lui. Anaweza kuwa na kudanganya danganya. Il peut chaque fois te tromper. Mais bien yiko nafanya kule ni byengine. Amen. Ce qu'il est en train de faire de l'autre côté, c'est lakini kama kwa neema amepewa uoga wa Bwana. Si par la grâce il a été donné la peur de Dieu. Atafanya vitu si kwa sababu yako, ni kwa sababu ya Mungu. Il fera des choses non pas parce qu'il a peur de toi mais à cause de Dieu. Na kama kuna kale kawoga mumwanamke, si yao si cette peur dans la femme, na ye kuna vitu atakuwa na kufanyizia haiko juwe njo Bwana. Il y a aussi des choses qu'elle va faire non pas parce que c'est toi l'homme. Atakuwa nasema nafanya hivi juu ya Mungu. Amen. Va dire je fais ceci à cause. Mais kama ingekuwa kwa wazo yangu mie peke, si c'était à mes propres pensées, singebifanya. Je n'aurais pas fait. Ni kwa sababu ya Mungu. À cause de Dieu. Sina wewe bwana una pas profiter. Mais et toi aussi tu en profites. Sasa mujuwazie. Mais na pense alors. Unyumba kwenye bwana hana woga. Le foyer où l'homme n'a pas wa Mungu, de Dieu. Na bibi naye. Et la femme aussi. Hana. N'a pas. Munaishi. Vous vivez. Kila mutu kwa hiari na wazo na hisi zake mwenyewe. Chacun vit comme il veut selon ses pensées, selon ses sentiments. Amen, amen. Psaume 127:1. Zaburi 117. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Bwana Mungu asipojenga nyumba, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Wanaoijenga wanachoka bure. Kama Mungu habajengeye, si je ne bâtis pas pour franga hazijenge. L'argent ne peut pas bâtir. Kamwe kamwe.
Na ukiona mume wako anaanza kwepa mambo ya ibada. Quand tu constates que ton mari commence déjà à échapper les histoires de culte. Kisha umsaidie pour qu'il arudilie Mungu. Il faut que tu puisses l'aider pour qu'il rentre vers Dieu. Utalia kule mbele. Tu vas pleurer là devant. Kwa sababu parce que huyu Mungu ambaye angemsaidia kukulea vizuri. C'est Dieu qui devrait l'aider pour qu'il puisse bien te traiter. Amemkwepa. Il l'a échappé. Proverbe 31:30. Mezali makumi tatu na moja makumi tatu. La grâce est trompeuse. Eti urembo unadanganya. Et la beauté est vaine. Na urembo ni wa bure. La femme qui craint l'Éternel. Mwanamke amchaye Mungu. Est celle qui sera louée. Ni yule atakaye sifiwa. Mko hapa? Vuziata. Urembo ni wa bure. La beauté est vaine. Urembo ni wa bure. La beauté est vaine. Mwanamke anayemwogopa Mungu. La femme qui craint l'Éternel. Huyu ndiye atasifiwa. C'est celle qui sera louée. Kisha upate bahati moyo upate mwanamke mwenye haogope Mungu. Maintenant que tu puisses trouver la malchance de trouver une femme qui ne craint pas l'Éternel. Elle n'a aucune crainte de Dieu. Posez-vous une seule question. Est-ce que chez moi, la maison, moi qui suis marié, sorry? Moi qui suis marié, à la maison chez moi, est-ce que j'ai un homme qui craint Dieu quand même? Est-ce que chez moi, j'ai un mari? J'ai une femme qui craint Dieu de sorte que même quand nous voulons décider, il a toujours l'habitude de dire et que dit la parole de Dieu. Frère Branham dit ceci dans le livre qu'on appelle l'histoire de ma vie. 20 juillet 52, paragraphe 80. J'ai dit, nilisema, je ne sais pas, sijui, le foyer n'est pas la maison. Unyumba, si unyumba. C'est l'ordre qui règne dans la maison bali ni taratibu ikuweyo nyumbani, qui fait le foyer ifanyayo unyumba. C'est ce qui fait le foyer ni hiyo ifanyayo unyumba. Que ça soit une cabane hata iwe ni msonge, ou n'importe quoi au haizuru nini, s'il s'y trouve un bon ordre kama tu muna taratibu nzuri, avec la piété pamoja na utawa, c'est plus un foyer que si vous aviez un palais quelque part. Ni unyumba mzuri ya kuzidia yenye mungelikuwa na gorofa fasi flani. Je préférerais vivre dans une cabane et être heureux plutôt. Ni heri niwe katika msonge na niwe na raha. Que de vivre dans un palais et être malheureux. Kuliko kuishi katika gorofa na niwe mwenye ole. C'est juste. Hiyo ni kweli. Première maison. Nyumba ya kwanza. Regardez la première maison. Mwangalie nyumba ya kwanza. Une cabane. Musonge. Regardez la deuxième maison. Mwangalie sasa na nyumba ya pili. Un palais. Gorofa kubwa. Une cabane. Musonge. Et un palais. Na gorofa. Entre les deux maisons. Kati ya hizo nyumba mbili. Si on nous demandait de choisir, tout le monde on va. Si on nous demandait de choisir, kama sote tungaliulizwa kwamba tous on va choisir ça. Sisi wote tutachagua hii. Et si on nous demandait de faire le choix, na wangelituambia tuchague, personne ne va choisir la cabane là. Hakuna atakayechagua msonge huu. Oui ou non? Je si kweli? Mais frère Branham dit quoi? Nandugu, Branham, au lieu de me mettre dans un palais comme celui-là, sans être heureux chez moi, bila kuwa na raha kwangu, mettez-moi dans une cabane comme ça, niweke katika msonge kama huu, et que je sois heureux avec mon mari, niwe ndani na raha na mume wangu, que de me mettre dans une maison d'étage comme ça, sans que je n'y trouve la joie. Et que dit la Bible en Swahili? Biblia sasa katika lugha ya nyumbani nasema, heri kula mboga za raha kuliko kula nyama ya munigo. Mieux vaut manger les légumes étant heureux que de manger la viande qui va te prendre au cou. La maison, le foyer, unyumba, le foyer unyumba, n'est pas la maison. Si unyumba.
C'est l'ordre qu'on trouve dedans. C'est la piété. Et que signifie la piété? Dans la stature de l'homme parfait, ressembler à Dieu. Être comme Dieu. Faire tout pour faire ce que Dieu aurait voulu que vous fassiez. Première chose, vous avez un foyer dans lequel vous vivez. Dieu occupe la première place. La famille occupe la deuxième place. C'est le soir. Tout le monde pense à Dieu. Qu'il soit musulman, qui qu'il soit, mais on est dans une maison où on connaît la valeur de Dieu. Là où les gens vont avoir des problèmes, et papa et maman disent, prions, demandons à Dieu de nous aider. Mettons-nous à genoux, demandons au Seigneur d'aider notre foyer. Et papa, à genoux. Et maman, à genoux. Et les enfants, tout le monde en prière. Et quand on veut manger, on doit remercier le Seigneur. Vous commencez à manger sans prier. La nourriture arrive sur la table, vous mangez déjà. Là où même pour prier pour la nourriture, ça devient un dossier. Kulala, dormir, chacun va dans son coin et il va de sa part. Dimanche, kila mtu analamuka, chacun se réveille. Bwana naikala nje na makaptura, l'homme est assis là avec sa culotte, bibi na mabra kase kule nje, la femme de l'autre côté avec ses bras cassés, batoto bako nakimbia kule munkurse, les enfants sont en train de courir, habana notion ya ibada, ils n'ont même pas une notion de culte, habana notion ya kanisa, ils n'ont même pas une notion de l'église, na mnyalienda ku kanisa, et celui qui est parti à l'église anarudia kufuata kitu, il rentre n'ayant pas reçu quelque chose, kwa sababu roho yake ilikuwa na dunda dunda, bamalize mbio, son cœur était en train de battre à tout moment, qu'il finisse rapidement. C'est cette femme là. C'est l'homme là. Que tu veux te marier. Danger. Bwana sipo jenga bunyumba benye kubikazanamo wanachoka pure. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui sont en train de s'enfoncer sont en train de se fatiguer pour rien. Alléluia. Amen. Kwako ni je. Chez toi, qu'est-ce qu'il y a? Hiki kiko? Est-ce que cette attitude est là? Wala apana. Ou non? Deuxième chose. Jambo, j'ai dit que j'irai très rapidement. Parce que nous avons besoin de finir très rapidement. Je ne donnerai pas trop de citations. Sita pana mitajo mingi. Mais Bali, il y a une citation kuna mtajo que je vais vous dire. Nitakao waambi. Allez lire dans la brochure qu'on appelle la communion de Chicago, paragraphe 43. Nendeni mkasome katika ujumbe unaoitwa ushirika wa Chicago. Frère Branham dit ceci. Mtajo wa 13, mjumbe anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Là j'aimerais au moins vous le dire. Hii kabisa napendelea iwaambia. J'allais dans une maison. Niliendaka katika nyumba moja. Une fois. Mara moja. Et les enfants se rassemblaient toujours pour la prière familiale. Watoto walikuwa wamekusanyika siku zote kwa maombi ya jamaa. Oh! Jamani. Que Dieu bénisse cette famille. Jamani Mungu na abariki jamaa hiyo. C'est le lien qui unit. Ni kifungo kinachounganisha ile maisha cette vie ya kuzoea Mungu mjama. Amen. Tu as Dieu dans la famille. Na watu wao wanazoea kuomba pamoja. Ni habitude de prier ensemble. Seme ni kamba yenye inakamatanishaka watu. C'est le lien qui unit les gens. Le lien qui unit. Kamba inayofunga watu, inayounganisha watu.